Méditation du 7 mars, objet du quotidien, le paradoxe de l'échaude. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. De Corinthiens 12, verset 10. Ma fille, je crois que là est ton écharde. M'a juste dit mon père. Un après-midi, alors, qu'une des migraines fréquentes dont je souffrais depuis petite me faisait me tordre de douleur. Cette déclaration était peut-être forte, mais j'ai compris à quoi il faisait référence. Je connaissais bien la mention qu'a faite Paul de son écharde dans sa chair. Voir De 12, 7. Et, bien que la Bible ne précise pas de quoi il s'agissait exactement, la porte a expliqué qu'on la lui avait plantée dans la chair pour l'empêcher de son Il avait supplié Dieu de la lui retirer, mais comme tant d'autres fois, Dieu avait d'autres projets. Je ne me souviens avoir prié cet après-midi-là que pour que ma douleur me soit retirée, mais je me souviens y avoir depuis ce jour réfléchi à deux fois avant de demander que ma migraine disparaisse complètement. Dans un article du magazine Adventist Ministry intitulé Le Miracle de l'Echard, le pasteur Charles Wesley, Knight mentionne que ce que nous considérons souvent comme le plus contrariant ou douloureux peut justement être l'antidote contre notre perte. Je je sais que l'exemple qui va suivre sera un peu grossier et limité, mais il m'a aidé à comprendre un peu mieux ce concept. J'ai un jour eu le hockey pendant plusieurs heures. Je n'avais assez du bruit que je faisais, de ne pas pouvoir le dissimuler et de la gêne qu'il provoquait. Un moment, je pensais qu'il serait agréable de ne plus jamais avoir le hockey. Demain, quand il se sera arrêté, je me rappellerai combien c'était horrible et je serai reconnaissant toute la journée. Je me souviendrai de la souffrance qu'est le hockey. Mais il n'en a pas été ainsi. Le jour s'est levé et effectivement, je n'avais plus le hockey. Mais je suis pas souvenu de ma promesse, de ma reconnaissance. Maintenant, à plus grande échelle, ne pourrait-il pas nous arriver quelque chose de similaire si nous oublions que nous sommes imparfaits, que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous avons besoin de recourir quotidiennement à Dieu pour nous rappeler qui nous sommes et que c'est lui qui nous soutient Permettre ces désagréments n'est pas un plan machiavélique, mais une solution divine à notre égoïsme et à notre orgueil dans nos mauvaises décisions et les conséquences du péché. Placé entre les mains du Tout-Puissant, notre échard peut devenir notre plus grande force et notre plus grande bénédiction. Elle explique les paradoxes, montre sa force merveilleuse dans la plus grande faiblesse et peut transformer ton chagrin en la meilleure des opportunités. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.